une bonne première mi-temps jusqu'à, on va dire, les 17 premières minutes de cette mi-temps. Ça s'est très bien passé, on a réussi à être dans la philosophie de ce que le coach voulait. Mais voilà, ce qu'on peut voir aussi, et je pense qu'il faut voir de manière positive, c'est que l'équipe elle a beaucoup de potentiel parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas su garder cette intensité, cette énergie, ce jeu rapide. Et je pense que voilà, si on arrive à... Plus on va maintenir ce niveau d'intensité, ce niveau d'exécution, plus on va être intenable. Et je pense qu'on a vraiment de quoi faire avec cette équipe, notamment qu'il manque encore... Il ne faut pas oublier qu'il manque encore deux joueurs. Il y a vraiment de quoi être optimiste. C'est vrai qu'on a bien commencé le match, défensivement et eux offensivement, on a su développer le jeu qu'on recherche. Après, c'est vrai que je pense que c'est plus une histoire de concentration, on a laissé aussi beaucoup de rebonds offensifs. Donc forcément, ça donne des secondes chances et en première mi-temps, on n'a pas trop payé. Mais en deuxième mi-temps, ça a été le problème aussi un petit peu, ils sont revenus, ils ont eu de l'euphorie, on n'a pas bien défendu. Donc il faut qu'on arrive à trouver une constance sur 40 minutes, mais on n'est qu'au début de la préparation, donc c'est encore du temps et du travail qui va nous amener à ça.